Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Comme je vous l'ai montré dans la petite vidéo de présentation, j'ai trouvé à la brocante la limousine des mariés Playmobil. Complète, entière, belle. Franchement, je la trouve jolie. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. J'en sais rien. Elle n'a rien d'une vraie limousine, comme vous pouvez le voir au niveau de la face. Elle ressemble un petit peu à une Mercedes de loin, mais elle est très jolie. Alors la plaque, c'est la référence 92 200, 92 27. C'est la référence de la voiture. Mais en tout cas, voilà, elle est très jolie. Je sais pas, elle m'a fait craquer. Elle est tout simplement très belle. Le blanc comme ça, avec ses petits cœurs. Je sais pas, il y a un truc qui m'a fait craquer dessus. Elle est complète. Elle est très jolie. Et je vais vous montrer ça. Les Playmobil, je vous en avais déjà montré avec le van de l'agence Tourisque, avec les combis Volkswagen et la coccinelle Volkswagen. Mais là, voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai flashé dessus, tout simplement. Alors, à l'intérieur, nous avons la mariée. Bonjour madame. Nous avons le marié. Bonjour monsieur. Nous avons, alors je ne vais pas l'enlever, le chauffeur au volant, bien sûr, et tous les petits accessoires qui vont bien. Les boîtes de conserve accrochées à l'attelage. Hop. Les bouquets de fleurs. Les trois bouquets de fleurs qui vont sur le capot. Comme ceci, par un système de ventouse que l'on mouille. Alors on va le mouiller à l'arrache. Avec un petit coup de langue. Pour les faire tenir. Et le bouquet principal avec le nœud. Et à l'intérieur, nous avons, hormis deux petits autocollants qu'il reste, pour vous dire qu'elle est complète, c'est que livrée avec des petits autocollants pour fixer le tapis de sol à la base. Et donc les petits accessoires que nous avons, c'est-à-dire les bouquets sur la plage arrière et sur la console, les deux flûtes à champagne, le seau à champagne et la bouteille de champagne, bien sûr, qui va bien. Tout ça s'enlève, bien sûr. On n'est pas sur une voiture, comme vous l'avez constaté, de marque. Playmobil, à la base, font des voitures, faisait des voitures sans marque, sans nom, sans. C'est des voitures Playmobil avec un look très reconnaissable. Comme ça, il n'y a pas de licence, il n'y a pas de frais, de taxes, de machin, de trucs. Enfin bref, il n'y a que très récemment qu'ils se sont mis à faire les voitures de films, de cinéma, de séries, pardon, la deux chevaux, enfin deux trois accessoires, enfin deux trois voitures comme ça, réelles, ce qui à mon sens est très bien pour la gamme, puisque j'adore ces voitures. Mais disons qu'elles ont leur charme aussi avec ces voitures sans nom. Voilà, on peut pas vous dire. Ah bah tiens, la limousine telle marque Playmobil, voilà. Non, c'est la limousine, point. Quand vous lui mettez le toit, voilà, elle a sa personnalité, elle représente bien ce qu'elle est censée représenter, c'est-à-dire le mariage. Alors c'est pas que j'ai des envies de mariage, je suis déjà marié, je suis très heureux en mariage avec mes
Mes deux petits moutards, tout va très bien, mais je ne sais pas pourquoi j'ai flashé sur la voiture des mariés. Peut-être que parce que moi j'en ai pas eu pendant mon mariage, je sais pas, je peux pas vous dire. Bon, en tout cas, voilà. Cette voiture est très jolie. Puisqu'on voit même à l'intérieur, là, y a les accessoires. Les boîtes de conserve. Donc les roues en caoutchouc souple. Qui tournent indépendamment. Nous avons les miroirs de rétroviseur qui sont installés. Et ce look avec ces trois bouquets sur le capot, elle est tout bonnement splendide. Donc à l'intérieur, comme toutes les limousines, hein, enfin, je sais pas, je dis ça, mais j'ai jamais monté dans une limousine, vous avez la représentation du bar avec les bouteilles pour les cocktails, avec la noix de coco, les petits décors, la banquette avec les places attitrées. Enfin, il y a de l'imagination dans ce modèle. Et on pourrait très bien reprendre cette version, la peindre en noir, et en faire une limousine classique, puisque nous avons le chauffeur, et nous faisons la voiture de maître. Donc, ah oui, autre détail que j'ai oublié de vous préciser, c'est que hormis voilà, tout ce que je vous ai montré, j'en ai oublié un accessoire, qui franchement déchire quand on y pense, l'écran vidéo qui se lève, qui fait office de séparateur entre le chauffeur et le couple de mariés pour leur intimité, avec à l'écran, alors, je sais pas si on va bien le voir, voilà, où ils revivent leur mariage à l'écran. Petit détail, il fallait y penser. Et Playmobil l'a fait. Elle est terrible. Puis alors, pour 2 euros, on va pas se plaindre. Tout simplement. Sachant que, en général, on la trouve très facilement sur les sites de vente en ligne comme Le Bon Coin, eBay, à entre 10 et 20 euros. Voilà, mais en tout cas, elle est là. Et pour le prix que je l'ai payé, bah, je ne regrette pas du tout. Et petits accessoires, la petite mariée avec son voile qui brille de mille feux. La mariée avec son bouquet. Son bustier en dentelle, le marié avec son costume 3 pièces, tout est simplement, alors il manque juste, mais je dois en avoir, des petits bracelets pour la mariée, je dois avoir ça quelque part, mais bon ça c'est pas grave. Voilà, elle a le sourire, elle est heureuse madame, et elle a bien raison, voilà. Eh bien écoutez les amis, je vous laisse détailler ce jouet. Je vais le dire franchement, c'est un jouet. Cette voiture, moi, m'a plu quand je l'ai vue. Elle m'a tapé dans l'œil. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien du tout. Mais elle m'a tapé dans l'œil. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux qui n'y sont pas encore. Vous êtes les bienvenus, je vous attends. Et puis, bah, je vais vous laisser et vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.